Salut tout le monde, moi c'est Marie. Moi c'est Amélie. Aujourd'hui, on est jeudi le 7 décembre 2017. Pour dîner, ça va être du bouillon au poulet. Ce midi à l'animation, ça va être des volontaires, donc on va les piger tout de suite. Rédacteur, ça va être Rosalie, puis metteur en onde, ça va être Amélie. Fait qu'on va piger ça tout de suite, Amélie. Pour l'élève, ça va être Zachary Cormier. Et pour le prof, ça va être Gaston Haché. On a hâte de voir ça. Il n'y a pas d'intramuros parce qu'il va y avoir un acti-midi. Julie Plourde, l'infirmière praticienne en santé sexuelle, sera à l'école le vendredi 8 décembre de 10h à 16h. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez remplir un billet de service au secrétariat ou vous présenter directement à son bureau situé au A13 où elle vous verra immédiatement si elle n'est pas déjà avec quelqu'un. Voici un message du conseil étudiant. Allô tout le monde! Aujourd'hui, il reste 12 jours d'école avant les vacances! C'est la classe de Mme Isoline Chiasson qui viendra chercher ses surprises. Donc, pour commencer nos 12 jours, à midi, ça va être un acti-midi de déballe ton cadeau avec des mitaines de four. Il y a des beaux prix, fait que venez en grand nombre participer. Puis, il y a un lutin caché quelque part dans l'école. Puis, le but, c'est que vous trouvez le lutin, vous allez prendre une selfie le plus originale possible avec, vous l'envoyez sur le Snapchat de l'école, puis nous autres, on va faire une capture d'écran, puis on va passer ça dans les messages, puis on va voter pour la selfie la plus originale ou la plus belle. Bye! Bye! Au cas où vous ne les auriez pas remarqués, les bacs bleus sont maintenant dans les classes foyers. C'est déjà ce temps de l'année où nous devons nous ouvrir le cœur et mettre notre gêne de côté et amener de la nourriture non périssable à l'école. L'an dernier, grâce à votre générosité, nous avons été capables d'offrir 17 boîtes à différentes familles de notre école. C'est peu d'efforts que d'amener quelques denrées non périssables, comme vous voyez dans l'exemple ici. Soyez de bons citoyens et rappelez-vous que de petits gestes peuvent rendre le Noël de plusieurs personnes encore plus heureux. On vous demande encore une fois d'être généreux. Et si ce n'est pas assez pour vous de savoir que vous allez aider des collègues de l'école, eh bien, participez quand même car vous courez la chance de gagner une pizza party pour toute votre classe. C'est tout pour nos messages. Bye! Bye.